Allez, aujourd'hui une petite randonnée jusqu'au gouffre de l'Œil Doux, un haut lieu touristique et remarquable du massif de la Clape. Maintenant, je vais descendre en bas, au bord de l'eau, pour bien observer et profiter de la grande falaise. Voilà, le sentier qui descend est escarpé, mais tout à fait accessible. Et pas très long, il y a 100 mètres environ de descente dans des petits rochers. Voilà la falaise de 35 mètres de hauteur qui surplombe le cénote, formation géologique naturelle du gouffre de l'Œil Doux. Et là, un sentier permet de faire le tour du gouffre, donc je vais l'emprunter et on verra la falaise d'en face en hauteur. Voilà encore un petit belvédère, une jolie pointe de vue, vue d'en face de la falaise, avec au fond l'étang de Pisse-Vache et la mer Méditerranée tout au bout. Et après la petite randonnée à l'Œil Doux, on peut venir prendre un bain. Bon, aujourd'hui l'eau est froide, hein. Mais au printemps, c'est tout à fait faisable.